Ruth Morgan, Aleiden et tu seras aujourd'hui, les Lunishmat, François Vajiven, Rana, Jenin, Ruth, Batfort, Mazel, Fritna, Kloshom, Ben Shalom et Shaya, Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, consacrée à 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet Péa, Perek Vav, Mishnah Yudalef. A Kotser Balaila, Veha Me'amer, Veha Souma, Yeshlem Shechecha. Vimaya Mitkaven, Litol et Agas, Agas, Enlo Shechecha. Vimamar, Areni Kotser Almenat, Shani Shochach, Almenat Ma Shani Shochach, Anietol, Yeshlo Shechecha. On a une Mishnah avec trois cas de figure qui sont un petit peu liés. On va expliquer de quoi ça parle. Vous savez quoi? Je vais déjà traduire chaque cas indépendamment. Après, on va les comparer un avec l'autre et même aussi avec une autre Mishnah. On a trois cas de figure. D'abord, on a Akotser Balaila Ve'ame Amer Ve'asuma Yashlem Shefefa. Celui qui cueille la nuit, c'est son blé. Ou encore, celui qui met Amer, qui ramasse, qui réunit pour ramasser son blé, le prendre. La chaune Omer, les gerbes de blé, les amers. Ve'asuma, ou encore l'aveugle, ou même celui qui ne voit pas assez bien, qui a une vue très faible. Dans tous ces cas de figure, yesh lem shichecha. La Mishnah me dit, tu sais quoi, regarde. Je viens cueillir la nuit, ramasser la nuit. Ouais, j'ai une très grande journée devant moi, et j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Donc du coup, je vais travailler la nuit, tant bien que mal. J'ai distingué, il y a la pleine lune, je vais réussir à voir, tant bien que mal. Ouais. Donc, je cueille la nuit. Ou encore, on parle de quelqu'un, je ramasse les fruits de la nuit. Ou encore, un souma, c'est un quelqu'un, soit un aveugle qui vient cueillir en pleine journée, pour lui, c'est la nuit, ou quelqu'un qui voit même très mal, c'est le même principe. Et donc maintenant, ils cueillent autant qu'ils peuvent, mais ils ne voient pas bien, ils ne distinguent pas bien. Une fois qu'ils ont tout ramassé, ils partent. Et puis ils réalisent que. Et puis après, ils reviennent une deuxième fois dans le terrain, j'ai oublié tellement, où étaient mes yeux. Ben la Mishnah nous dit maintenant c'est trop tard, c'est la shichecha. Pourquoi? Parce que, t'as ramassé tout pour partir, t'es parti. Ce que t'as laissé, c'est la shichecha, apparemment. En réalité, ça contredit une Mishnah qu'on avait plus haut, on comparera ensuite les deux cas. Mais pour le moment, je continue sur la deuxième partie, la deuxième halakha de la Mishnah. Ve'imaya mitkaven litol et agas agas, en lo shichecha. Par contre, s'il avait l'intention, depuis le début, en se disant, bon, je ramasse pas tout pour le moment, je ramasse, je sais bien que c'est la nuit, je sais bien que je vois pas bien, mais je ramasse déjà ce que je peux, et puis mon fils, ensuite, il reviendra cueillir, ou je viendrai cueillir en pleine journée, les quelques restes. Mais pour le moment, déjà, il faut que j'avance le travail, donc déjà, les gros, je vais déjà les ramasser depuis tout de suite, ça au moins, je les vois bien. Alors, dans ce cas-là, la Mishnah me dit, dans ce cas, Enlo Shichecha. C'est pas considéré comme un Shichecha, parce que pour le moment, t'es pas venu tout ramasser, t'es venu juste ramasser les gros, et donc, pour le moment, c'est pas. Encore le moment où tu as tout ramassé de ce que tu as laissé, tu l'as laissé malgré toi, et ça vient d'un chiffre. Ok? Maintenant, donc je reprends le cas. On a maintenant, je sais pertinemment que je vois pas bien. Parce qu'il fait nuit, parce que je vois pas bien. Et la Mishnah me dit, si moi je viens pour tout ramasser, ce que j'ai laissé, c'est trop tard, c'est de la chiffre. Par contre, si je viens pas tout ramasser, parce que je sais que je vois pas bien, mais je dis que dans ce cas-là, je ramasse juste les gros et les petits, on viendra les chercher plus tard. Alors dans ce cas-là, ce que j'ai laissé, c'est pas de la chiffre, parce que moi, je ne suis pas venu tout ramasser. La shichecha, c'est que lorsque tu vas cueillir ton champ, tout ton champ, et tu laisses. Ou tu vas ramasser tous tes épis, et tu laisses. Mais là, où tu vas ramasser juste une certaine, que les gros, et tu laisses les plus petits, non, pour le moment, ça va de la shichecha. Pour le moment, c'est clair. Ça contredit une Mishnah qu'on avait vue plus haut. Parce qu'on a vu plus haut, dans la Mishnah Perikhe, Mishnah Zayin, c'était, il rapporte ici le Tiferet Israël. On a vu une Mishnah qui me disait que si moi, lorsque je suis en train de cueillir, j'ai tous les pauvres qui sont là, qui attendent que je finisse, comme ça, ils ramassent tout. Et en fait, les pauvres, ils ont caché un épi de blé, ils ont caché une gerbe de blé, ils sont là en train de camper. Ou encore, il y a de la paille qui est venue, ils ont couvert avec de la paille, une gerbe. Et une fois que j'ai tout ramassé, je réalise qu'en réalité, il en restait un là-bas. Là-bas, on a vu que c'était pas de la shichecha. Parce qu'il y a une cause externe qui fait que je ne voie pas. Donc, on apprend apparemment de là-bas que lorsqu'il y a une cause externe qui fait que je ne vois pas, et à cause de ça, j'oublie, c'est pas de la shichecha. Là, tu te contredis, tu me dis que c'est oui de la shichecha si c'est la nuit. Mais la réponse, elle est très simple, comme il dit très justement. Il dit que, écoute, il y a une différence fondamentale. Lorsque tu sais que tu as un problème, et que tu prends tes précautions pour cueillir, et tu ramasses et tu laisses, ben, c'est toi le fautif. Enfin, c'est toi le fautif. C'est pas qu'on t'accuse. Mais concrètement, c'était le moment où tu as tout ramassé, tu as laissé. C'est de la shichecha. Mais lorsque c'est une cause, lorsque c'est quelqu'un qui vient te tromper, qui fait que tu vas pas voir, une cause externe qui vient et qui va te camoufler, toi, de ton côté, tu as tout ce qu'il faut pour bien voir, tu veilles à tout bien voir, et quelqu'un te camoufle. Dans ce cas-là, c'est pas de la shichecha. Ouais, vous voyez la différence? Ça dépend en fait. Quelle est cette cause externe? Est-ce que tu es conscient du problème et que malgré tout tu cueilles tout?
Dans ce cas-là, ce que tu laisses, c'est de la shechecha. Mais lorsque tu n'es pas conscient du problème, parce qu'on te trompe, donc tu as. Ouais, dans ce cas-là, ça s'appelle la shechecha. C'est la différence qu'il y avait entre la Mishnah là-bas et la Mishnah ici. Ok? Maintenant, regardez, il sort de là que, donc, si j'ai cueilli la nuit, j'ai bien conscience que je risque de ne pas tout voir. Donc, si je me dis malgré tout, je vais faire attention, et malgré moi, j'en ai oublié, et bien dans ce cas-là, c'est la shechecha. Par contre, si j'ai conscience que c'est la nuit, et je dis pour le moment, je ne vais pas tout ramasser, je ramasse juste les gros pour le moment. Et donc, tu te laisses la possibilité de revenir ensuite chercher les plus petits après. Dans ce cas-là, ça s'appelle la shechecha. Par contre, imama, are anikotzer almenat, machani shochecha anietol, et shechecha. Si la Mishnah maintenant me dit non, quatre figures. Par contre, si jamais je viens, ça peut mettre la nuit, ou bien ça peut être pris comme un cas indépendamment, ou même en rapport avec la Mishnah précédente. Dans n'importe quelle situation où je viens, je dis, bon, moi je ramasse tout, mais attention, je pose la condition que pour le moment, je ramasse tout, mais après je reviens, je reviendrai voir si j'ai pas oublié quelque chose. La Mishnah me dit, non, ça c'est la shechecha. Parce que dans ce cas-là, le principe il est très simple. Si tu es venu pour tout ramasser, alors là, c'est le moment où la Torah t'a dit, au Kotzerchem, et la Mishnah me dit aussi, parce que j'ouvre les cartons, et la Torah me dit, écoute, quand tu viens tout prendre et tu laisses, c'est la Shechecha. Et tu ne peux pas poser une condition contre la Torah. La Torah, c'est malgré toi qu'elle a rendu ça, Shechecha. Tu peux dire que tu ne vas pas tout ramasser tout de suite, tu ramasses que les gros et tu reviendras chercher les plus petits. Mais si tu viens tout ramasser et tu dis, mais je reviendrai quand même faire un deuxième tour si j'ai pas oublié quelque chose, là, malgré toi, c'est la shechecha parce que la Torah t'a imposé. Là, c'est le moment où tu ramasses tout. Lorsque tu ramasses tout, c'est la shechecha. D'accord, c'est clair? À la différence du cas intermédiaire, on avait vu donc où tu vas ramasser juste les gros et pas les plus petits. Mais si tu dis, je ramasse tout, mais je reviendrai prendre une deuxième fois, là, c'est plus bon. D'accord, c'est clair? Bah, au Hachem, c'est tout pour aujourd'hui. Juste une journée pleine de la shechecha, quand le tout, c'est là.